Sète est d'abord pour Robert Combas le lieu de l'enfance et de l'adolescence, la ville où s'est façonné son rapport au réel, où il a commencé à peindre et à jouer du rock. Devenu avec Hervé Di Rosa l'un des chefs de file de la figuration libre, il a très tôt revendiqué la liberté comme principe de sa démarche artistique. En réaction à un art conceptuel qui ne cesse de se développer, il recourt à la figuration et construit son univers empruntant à la fois au hard rock, à l'art brut, à l'imagerie africaine ou à la bande dessinée. La gamme intense des couleurs est saturée de motifs. Au-dessus des taches colorées, un cerne noir délimite le contour des figures, déformées à volonté. Des ornements géométriques recouvrent les armes et les caparaçons. Dans un second temps se révèle, au sein du registre orangé, une trame d'abord inaperçue de créatures, improvisée au hasard des espaces et des contacts. Violence des couleurs, outrance des figures, prolifération des signes, la toile vibre d'une vie intense. Pour Robert Combas, la peinture est un état. Elle doit naître d'un feeling pour être un art. Comme dans le blues, le jazz et le rock, elle ne peut se dissocier du sentiment qui la fait naître au plus près de la vie.